Amateur de tennis, passionné ou simple curieux, préparez-vous à vivre une semaine pleine de rebondissements. Les internationaux de tennis, le tournoi organisé par la ville de Saint-Dizier et le COSD Tennis Club Bragard revient cette année dès dimanche et jusqu'au 2 avril pour sa 27e édition. On écoute le directeur sportif du COSD Tennis Club Bragard au micro de Thiago Kergovic. On accueille des joueurs, des illustres joueurs. Bon, effectivement, quand ils arrivent, en général, ils sont pas illustres. Hein. C'est la première strate des tournois. On a eu des Tsonga, des Goffin, hein, des Davidenko. Et donc, cette année, on a un ancien joueur qui fait partie du top 100, qui s'appelle Antoine Wang. Et on a aussi Jules Marie, qui est connu sur les réseaux sociaux, donc qui a à peu près 100 000 vues sur YouTube, et qui décrit la vie d'un joueur de tennis sur les M25. Donc, les M25, c'est ce qu'on organise, c'est un $25 000. La deuxième chose, c'est qu'il va avoir deux tournois de paddle sur le samedi et le dimanche, des demi-finales et finales. Tournoi officiel, un P100, donc où tout le monde est invité à s'inscrire. Hein. Il faut juste avoir une licence de tennis. Il y aura une découverte paddle sur le premier week-end. Et puis, sur le jour de la finale, on est toujours un petit peu attaché, nous, à tout ce qui est sport santé, sport handisport. Et donc, avec le comité départemental de tennis, on va présenter le CECI Tennis.